la fin du 19e siècle, des clichés pris par des missionnaires parviennent en Angleterre et suscitent une profonde indignation. Les mutilations ont été photographiées à dessin sur fond blanc pour renforcer l'impact. Les enfants sont originaires du Congo. L'homme accusé d'être leur tortionnaire est un blanc européen, une tête couronnée. Les preuves d'un des plus grands génocides du 19e siècle ont été ignorées durant près de 100 ans. Des millions d'Africains sont morts pour assouvir la soif de richesse et de gloire d'un seul homme. Un roi a poussé la cruauté à son paroxysme, bien avant l'arrivée d'Adolf Hitler. Léopold II, roi des Belges, possède à titre privé 2,5 millions de kilomètres carrés en Afrique centrale. Il règne sur 20 millions d'Africains. De 1880 à 1900, la création d'usines de bicyclettes et d'automobiles en Europe et aux États-Unis fait naître un immense besoin de caoutchouc pour la fabrication des pneus. L'État indépendant du Congo de Léopold II possède les plus grandes forêts d'arbres à caoutchouc. Le roi détient une mine d'or, blanc. Il est déterminé à fournir le maximum de cette matière première à l'industrie européenne et à un rythme infernal. La récolte du caoutchouc a coûté des centaines de vies dans ce district. Les scènes insoutenables dont j'ai été témoin et mon impuissance à pouvoir venir en aide aux opprimés m'ont fait regretter d'être en vie. Durant 20 ans, Léopold II transforme le Congo, 80 fois plus vaste que la Belgique, en un immense camp de travail forcé. Le commerce du caoutchouc en fait un des hommes les plus riches du globe. Ses profits augmentent au même rythme que le nombre de morts. Ce commerce du caoutchouc baigne dans le sang. Même si les indigènes se révoltaient et expédiaient en enfer tous les blancs du Haut-Congo, le bilan en leur défaveur resterait terrifiant. Plus Léopold renforce sa mainmise sur le Congo, plus les preuves accablantes s'accumulent contre lui. Les missionnaires, les voyageurs et même les victimes clament tous haut et fort qu'il faut mettre fin aux agissements du roi. Trois jours plus tard, nous sommes retournés dans notre village. Nous avons découvert des cadavres. Nous avons vu, accrochés à un fil tendu entre deux piquets, des organes génitaux. Fait étonnant pour l'époque, certaines voix s'élèvent pour exiger que le roi Léopold soit condamné à la pendaison par le tribunal international de La Haye, qui vient de voir le jour. Si les affaires internationales pouvaient être poursuivies au pénal, on disposerait d'une véritable loi contre ce souverain, qui s'est emparé non pas d'un pactole quelconque, mais de tout un empire par des moyens fallacieux. Au lieu d'un procès et d'une pendaison, on réinvente Léopold en grand humaniste et civilisateur. Elikiam Bokolo, historien congolais, est convaincu que la vérité sur les crimes de Léopold a été délibérément cachée afin de protéger la Belgique et les intérêts belges au Congo. Ce film montre en détail les charges qui pèsent contre le roi Léopold II et révèle une dissimulation d'une ampleur sans précédent. Les témoignages des richesses accumulées par Léopold se retrouvent partout à Bruxelles et dans des proportions monumentales. Pour célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance, Léopold II fait construire le parc du cinquantenaire, devenu une des icônes de l'identité nationale belge.
Le parc du Cinquantenaire est un symbole très puissant de la Belgique, de sa fierté. Le roi l'a financé avec son propre argent, bien qu'il ne l'ait jamais dit ouvertement, car cela aurait été une preuve qu'il était très riche. On aurait fini par lui poser des questions sur la provenance de cet argent, et il aurait été contraint d'admettre qu'il provenait du Congo. Le Cinquantenaire symbolise donc ce mensonge sur la Belgique et l'implication royale dans la politique et l'exploitation coloniale. C'est incroyable de voir tous ces embellissements, toutes ces réalisations, toutes ces richesses, sans une seule référence au Congo et aux Congolais. Après tout, si Léopold II a pu entreprendre tout ceci, c'est grâce à la richesse du Congo, au sang des Congolais, aux souffrances des Congolais, à l'exploitation du Congo. C'est incroyable, cette manie d'effacer le Congo. Le musée royal d'Afrique centrale est également construit par Léopold II et financé avec les richesses tirées du Congo. On y découvre l'Afrique vue par Léopold. Le musée est avant tout conçu comme un hommage. Hommage au roi qui offre à la Belgique une colonie. Hommage aux pionniers morts en réalisant les désirs du roi. Sur une plaque, la conquête blanche est mythifiée en mission de bienfaisance. La Belgique apporte la civilisation au Congo. On m'accuse d'avoir fait fusiller un indigène, ligoté à un arbre. Je suis également accusé d'avoir mené une attaque contre un village, au cours de laquelle beaucoup de Noirs ont été tués. On m'accuse d'ailleurs, ainsi que 5 autres Blancs, d'avoir tué 150 personnes, d'avoir pendu en forme de croix des femmes et des enfants, ainsi que d'avoir coupé les organes génitaux et les têtes d'hommes pour les attacher aux palissades. Il ne fait aucun doute que des faits absolument inacceptables et même scandaleux se sont produits dans l'État indépendant du Congo, sous le règne de Léopold II. Il faut toutefois replacer la situation de l'époque dans son ensemble. Aucune des nations colonialistes n'était tendre, aucune d'elles n'avait une approche humaine. Il suffit de voir ce que les Britanniques, les Français, les Hollandais qui ont inventé l'esclavage et les Allemands ont fait. Ce n'est pas une période dont nous pouvons être fiers, mais il faut la replacer dans son contexte historique. Le Congo de Léopold II est un état-prison. Les Africains sont privés de droits, de justice, de liberté. Ils sont exploités pour assouvir la cupidité d'un roi. La fin justifie les moyens, surtout quand il s'agit d'amasser des richesses. À des milliers de kilomètres de la souffrance, un roi exulte en comptant son or. Léopold tient le Congo un quart de siècle sous sa coupe. Un an avant sa mort, le territoire est transféré à l'État belge qui, très reconnaissant, le tient sous son contrôle jusqu'en 1960. Et c'est ainsi qu'au cœur de l'Afrique noire, la Belgique réalise le rêve d'un grand roi. Le roi ne jouit plus d'une place d'honneur. Le Congo acquiert son indépendance. Léopoldville porte désormais le nom de Kinshasa et Léopold II se retrouve à la ferraille. Pour moi, c'était Léopold II en personne. Pas la statue de Léopold II, mais Léopold II. Tellement grand, tellement haut, qui semblait être là pour m'écraser, me dominer. Et puis, pas question de passer devant le cheval. Il fallait passer derrière. C'est comme si je me sentais obligé de respirer l'odeur des excréments du cheval de Léopold II. Après l'indépendance, il était encore là. Enfin, c'était une vraie provocation. Et puis enfin, est arrivé le jour où je suis là et je vois des jeunes gens
tirer Léopold II. Une revanche, une joie de voir enfin ce scandale par terre, là où il devait se trouver. La destruction des symboles ne suffit cependant pas pour effacer plusieurs générations d'occupation étrangère. On a Léopold, roi Léopold. Ah, oui. Il y a ça la Guinée. Adraki, mon condi monene, c'était un Belge, oyo, à coloniser Bissau. Ah. Donc Bissau n'a yé tout ça, l'icambo. Bon, Azano qu'on a Bissau, il y a une moto à l'équipe, colonisation, à Bissau, une moto à l'équipe, civilisation, les alliés. Léopold décrit un jour. Un peuple qui se contente de sa patrie et qui craint l'ombre d'un conflit n'a pas les qualités d'une race supérieure. Un officier belge chargé de capturer un chef est parti avec 50 à 60 hommes. En fouillant les cases pour les piller, les hommes découvrent une mère et sa fille qui n'ont pas eu le temps de fuir. Elles sont amenées à l'officier qui leur demande où se cache le chef. Les femmes l'ignorant ou ne voulant pas trahir, l'officier ordonne de les attacher au sol. Et un soldat loyal administre 50 coups de chicotte à chacune d'elles. La flagellation continue et chacune reçoit 200 coups de fouet. Elles sont abandonnées là, agonisantes, après qu'on leur a coupé les seins. À Bruxelles, les statues de Léopold II n'ont pas été déboulonnées. Ce roi n'a jamais perdu sa place au sein de la dynastie royale belge. L'arbre généalogique de Léopold II est prestigieux. Son père, Léopold Ier, est l'oncle de la reine Victoria. Sa mère, Louise-Marie d'Orléans, la fille aînée de Louis-Philippe, roi de France. Son père consacre très peu de temps au jeune prince qu'il décrit comme un petit tyran. Sa mère fait remarquer de façon peu aimable, son énorme nez le défigure et le fait ressembler à un oiseau. Je crois que sa mère était insipide, ce qui explique beaucoup de choses sur le caractère de Léopold. Il manquait d'amour et d'affection. Il compensait ce manque en prétendant qu'il se fichait de l'affection. Impopulaire à la fin de sa vie, il disait que la popularité ne l'intéressait pas. C'était bien sûr une façon de dire « Je suis profondément triste de ne pas être populaire ». Le mariage arrangé de Léopold II avec l'archiduchesse Marie-Henriette d'Autriche, alors âgée de 16 ans, est un désastre. Une femme de la haute société définit le couple en ces termes. Un garçon d'étable avec une nonne. La nonne étant Léopold. Le couple s'informe sur les choses sexuelles lors d'une visite chez leur tante Victoria et leur oncle Albert à Londres. Ils auront trois filles. Leur seul fils décède à l'âge de 10 ans. Il ne laisse pas d'héritier mâle. Au début de son règne, Léopold II proclame « J'ai l'ambition de rendre la Belgique plus grande, plus forte, plus belle. » Il est convaincu que le pays manque d'envergure. Léopold se plaignait que la Belgique était un petit pays, de petites gens. Lui, en revanche, n'était pas un petit roi. D'une part, il était de haute stature, mais surtout, il nourrissait une ambition démesurée pour lui-même. Il était blessé dans son orgueil de jouer un rôle relativement modeste au sein de la dynastie des Saxe-Cobourg. Il ne pesait pas lourd comparé à la reine Victoria ou à l'empereur d'Allemagne. Son objectif était avant tout personnel. C'est l'exemple même du souverain qui avait fait sien l'adage « L'État, c'est moi ». Et donc, l'élévation de la Belgique impliquait forcément la sienne. À l'image de son père, Léopold II est convaincu que seule une colonie lui permettra d'atteindre la grandeur à laquelle il aspire. Léopold Ier a tenté des dizaines de fois d'en obtenir une, en vain. Son fils va y œuvrer avec plus de succès. Avant de monter sur le trône, Léopold envoie au ministre belge des Finances un morceau de marbre de l'acropole gravé de l'inscription « Il faut à la Belgique une colonie ». Léopold II... Léopold II a vécu dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais il accusait 100 ans de retard sur son époque.
La Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas étaient unanimes pour accepter qu'une colonie ne devait pas rapporter de l'argent en priorité à la mère patrie, mais que la métropole devait investir dans sa colonie et que les bénéfices éventuels devaient servir sur place à payer l'administration, l'armée et le maintien de l'ordre et profiter à la population locale. Léopold II, lui, était d'un tout autre avis. Une colonie devait rapporter de l'argent à la mère patrie et pas le contraire. Léopold ratisse la map monde en quête d'une proie. Il essaie l'état du Sarawak, les Nouvelles-Hébrides, les îles Fidji et les Philippines en vain. Il ne lui reste pratiquement plus d'endroits à prospecter, hormis un seul. Au début du règne de Léopold II, le Congo est une région inexplorée par les Européens. Pour Léopold, c'est la dernière chance. Le Congo deviendra sa colonie, quel qu'en soit le prix. Un homme va permettre de réaliser cet objectif, Henry Morton Stanley. Après une adolescence en maison de correction, il devient l'explorateur le plus célèbre de son époque et l'un des plus impitoyables. Son expédition pour traverser l'Afrique d'est en ouest est la plus dispendieuse de tous les temps. En arrivant par l'est, Stanley pénètre, pour ainsi dire, par la porte arrière, au Congo. Il est le premier Européen à traverser le continent noir. Il parcourt 11 000 km à pied et en pirogue. Léopold est conscient que si Stanley réussit, le Congo sera accessible. Au 19e siècle, Londres est l'épicentre du colonialisme. Au Claridge, Léopold reçoit des explorateurs, des géographes et des généraux pour les convaincre de l'intérêt de son aventure congolaise. Il rend visite à sa tante Victoria et lui fait également part de ses plans. J'ai rencontré les personnalités les plus motivées à apporter la civilisation en Afrique. De retour en Belgique, il organise une conférence géographique. Il transforme son palais en hôtel de luxe pour héberger les congressistes et supervise les moindres détails. Il déclare que ses objectifs en Afrique sont charitables et philanthropiques. Le Congo bénéficiera de tous les bienfaits de la civilisation et du christianisme. Comme il se trouvait dans un pays catholique, il en a profité pour prétendre qu'il voulait contribuer à la propagation du christianisme. Or, on sait qu'il n'était pas un catholique convaincu. Mais bon, ça c'est une affaire privée. Chaque congressiste reçoit un portrait du roi. En flattant leur snobisme, Léopold s'attache leur soutien. Dès que Léopold apprend le succès de la traversée africaine de Stanley, il s'empresse d'agir. Dans une lettre adressée à un conseiller, il dit qu'il ne veut rien perdre de ce magnifique gâteau africain. Aujourd'hui, Stanley est aussi détesté que Léopold à Kinshasa. En 1887, Stanley est l'homme dont le roi a besoin. Sous le couvert d'un organisme humanitaire baptisé l'Association internationale africaine, Léopold engage Stanley afin de préparer le Congo au règne d'un roi. La réputation de Stanley est celle d'un bâtisseur, d'un pacificateur, d'un constructeur. En réalité, ce qu'il a fait, c'est d'abord de casser, de briser, de détruire tout ce qui existait avant. Et à la place, c'est vrai qu'il construit quelque chose de nouveau, une logique marchande et une logique politique. Et ce nouveau système, il le met au service de l'Occident et en particulier au service du roi Léopold II. Stanley crée un réseau de bateaux-vapeurs, construit des routes et des ponts, et même un tronçon de voie ferrée. On le surnomme rapidement Boula Matadi, le briseur de pierre.
Léopold transforme la bienfaisante Association internationale africaine en compagnie commerciale. La nouvelle association congolaise est strictement tournée vers le profit. Il écrit à un conseiller : il faut prendre garde à ne pas faire ressortir que l'association du Congo et l'association africaine sont deux choses différentes. Le public ne saisit pas cela. Les exigences du roi ne s'arrêtent pas là. Il lui faut des traités officiels pour prouver que le Congo lui appartient bel et bien. Stanley est chargé d'obtenir coûte que coûte la signature des chefs indigènes. Les hommes de Stanley versent des pots de vin ou agissent par ruse pour obtenir l'assentiment des chefs congolais. Ils prétendent même que l'homme blanc a le pouvoir sur le soleil. Léopold II manquait de scrupules, mais il a compris qu'il avait besoin d'un voile de légalité. Et Léopold était un fin renard. Il a fait des recherches sur les précédents coloniaux. Il a lu les accords signés par les sultans de Sarawak et les Indiens d'Amérique du Nord. Il a même lu les traités que les Britanniques avaient fait signer en Inde. Il a compris que si d'aventure on venait remettre en cause son autorité sur les territoires colonisés, il pourrait produire ses prétendus contrats. Stanley a été un maillon essentiel dans l'obtention de ces traités. Après avoir floué les Africains, le roi entreprend de convaincre les puissances européennes de le reconnaître comme propriétaire de cette vaste colonie africaine. Cette fois, la diplomatie remplace les tours de passe-passe. En 1885, les grandes puissances réunies à Berlin reconnaissent la rive gauche du fleuve Congo comme une zone commerciale internationale, propriété du roi. Aucun Africain n'est convié. Ce document, c'est l'acte général de la conférence du Congo, publié le 26 février 1885 à Berlin. Ce document est connu dans l'histoire comme étant l'acte général de la conférence de Berlin. Léopold II, roi de Belgique, n'était pas présent à Berlin. La conférence accorde à Léopold tout ce qu'il demande. La façon dont le roi Léopold a réussi à duper les grandes puissances à l'époque est tout à fait remarquable. Il leur avait promis que l'accès au commerce serait libre et que si des bénéfices étaient réalisés, ils profiteraient à tous. Certains pays se sont mordus les doigts de lui avoir accordé tout ce qu'ils voulaient, mais il était trop tard. Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. Afin de faire respecter sa loi, le souverain crée une armée qui comptera jusqu'à 16 000 hommes. Les soldats sont équipés de fusils modernes, de fabrication belge. Le romancier Joseph Conrad remonte le fleuve Congo en 1890. Son livre, Au cœur des ténèbres, est né des événements dont il a été témoin dans l'État indépendant du Congo. Ils attrapaient tout ce qu'ils pouvaient afin de ne pas en perdre une miette. C'était un pillage avec violence, un meurtre aggravé à grande échelle, propre à ceux qui s'attaquent aux ténèbres. Bakovanda kuna bui. Nazamba lokola nyama.
La terreur et le travail forcé font partie intégrante des plans du roi pour faire du Congo un pays lucratif. Pour administrer son nouveau territoire, Léopold nomme des responsables à Bruxelles et installe un gouverneur général au Congo. En réalité, c'est lui qui dirige tout. Ses agents et ses soldats exécutent ses moindres désirs. La conquête de la terre, qui implique le plus souvent de la ravir à des hommes à la peau différente, ou dont le nez est légèrement plus aplati que le nôtre, n'est pas une belle chose quand on y regarde de plus près. Malgré la présence des soldats de Léopold et les conditions de travail dignes du goulag, le Congo ne rapporte pas assez et entame sérieusement les finances de Léopold II. À mesure que les mois passent, l'exaspération du roi augmente. Léopold est toutefois sauvé par le commerce de l'automobile et de la bicyclette. L'invention du pneu par John Dunlop, un vétérinaire écossais, fait exploser la demande en caoutchouc. Et le Congo en regorge. Dans quelques années, les plantations asiatiques et sud-américaines représenteront une forte concurrence. En attendant, le roi tient le marché à lui tout seul. Plus il fournit de caoutchouc en Europe avant l'émergence des plantations concurrentes, plus il s'enrichit et plus les cadavres s'amoncellent. Léopold II alliait l'esprit d'un homme d'affaires, d'un entrepreneur, avec celui d'un politicien mégalomane. Les deux allaient de pair à cette époque. Dans la seconde moitié du 19e siècle, la puissance économique et la puissance politique étaient intimement intriquées. Pour être quelqu'un, il fallait être très riche. C'est pour cette raison que Léopold exploitait le Congo. Pour tirer un maximum de richesses de sa nouvelle possession, Léopold augmente sans cesse la violence. Les villageois se voient imposer des objectifs monstrueux. Le moindre refus ou l'incapacité à atteindre les quotas fixés donne lieu à de terribles châtiments. Le règne de la terreur est ouvert. Avril 1895. 6 indigènes tués. Village livré aux flammes. Déjeuner, puis retour. 17 avril 1895. Parti avec 80 hommes pour Bauru. Une quinzaine de personnes tuées. 25 avril. Arrivé à Iteke. Brûler le village, ainsi que Yambi. Ilongo. Brûler le village et tuer un indigène. Arrivé à Bakolo à 16 heures. Brûlé. Arrivé à Yabumba à 11h40. Je fais brûler le village. Arrivé à Likombe à 3h. Tout à coup, nous sommes attaqués. Deux soldats sont tués à côté de moi. Après quelques instants d'une fusillade bien nourrie, les indigènes prennent la fuite en laissant 13 des leurs sur le terrain. Je fais mettre le feu aux cases. Oui, juin. Je me dirige ensuite sur Yamapete. Je fais incendier le village. Après un bon déjeuner, nous rentrons en triomphe à Bazoko, avec nos sanglants trophées. 10 juin, nous trouvons Yambisi. Nous envoyons plusieurs groupes de soldats battre la plaine. Ils reviennent quelques heures après avec 11 têtes et 9 prisonniers. Le 22 juin, on nous amène 3 prisonniers dans la matinée. 3 autres vers le soir et 3 têtes sont apportées.
Un homme de Beaumanet parcourant la forêt en appelant un grand cri sa femme et son enfant égaré reçoit une balle d'une de nos sentinelles. On nous apporte sa tête. Jamais j'ai vu une telle expression de désespoir, d'effarement. Nous faisons incendier Yambissi. Je pense en effet que Léopold II porte la responsabilité morale de ce système, car il en est l'instigateur. C'est lui qui l'a mis en place. Sa responsabilité morale est de fait clairement établie. Il est certain que le roi n'a pas délibérément ordonné les meurtres. Léopold II faisait partie d'un régime, d'une sorte de système économique qui lui permettait de considérer cette partie du monde comme sa propriété personnelle et d'y régner comme bon lui semblait. D'autre part, Léopold II était un visionnaire. On peut ne pas être d'accord avec ses visions, mais il était visionnaire. Et le Congo, qu'on le veuille ou non, a beaucoup apporté à l'économie belge. La Belgique a tiré d'immenses profits de son implication en Afrique centrale. À l'époque de Léopold, les missionnaires sont les principaux témoins blancs des atrocités. La plupart vivent dans les zones d'exploitation du caoutchouc. Ils ne peuvent pas ignorer les exactions. Le 23 décembre 1893, l'État a envoyé des pirogues cachées par la nuit vers le village d'Ikengo. Réveillés en sursaut par un coup de feu, les habitants se sont précipités au dehors pour voir ce qui se passait. En découvrant leur village cerné par les soldats, ils n'ont songé qu'à fuir. Alors qu'ils couraient dans tous les sens, les soldats ont abattu impitoyablement hommes, femmes et enfants. Leur village a été entièrement détruit et se trouve toujours en ruine aujourd'hui. La seule raison de cette expédition punitive était que les villageois n'avaient pas réussi ce jour-là à fournir suffisamment de nourriture à l'État. Au début, les missionnaires échangent par écrit le récit des cruautés dont ils sont témoins dans leur district. Un peu plus tard, certains décident de prévenir les responsables de leur congrégation dans leur patrie respective. Ces pauvres gens protestent contre l'oppression cruelle exercée par l'État, et avec raison. Je ne peux tenir ma langue en entendant et en voyant de telles infamies. En 1895, un missionnaire profite d'une permission à Londres pour révéler les exactions. Mais il garde l'anonymat, car il craint pour sa vie quand il retournera au Congo. Les missionnaires connaissent parfaitement les terribles châtiments que l'État inflige. Ils voient des villageois flagellés à la chicotte, un fouet fait de peau de rhinocéros séché au soleil qui peut tailler un homme en morceaux. Ils voient des hommes torturés à mort avec du copal brûlant. Un missionnaire décrit la jubilation terrifiante d'un soldat alors qu'il verse le copal sur la tête d'un détenu. Désespéré, le révérend Cheblom, un missionnaire ayant passé de longues années au Congo, décide de révéler ses crimes. Ce qu'il a vu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ses rapports, d'abord publiés dans une revue de missionnaires, sont bientôt repris par divers quotidiens nationaux à travers toute l'Europe. Les rapports de Cheblom font découvrir au monde le châtiment officiel des mains coupées. Alors que je traversais le fleuve, j'ai vu des cadavres accrochés à des branches et qui pendaient dans l'eau. J'ai détourné le visage de cet horrible spectacle. Un caporal indigène qui nous suivait me dit « Oh, ce n'est rien ». Il y a quelques jours, je suis revenu d'une expédition et j'ai remis aux Blancs 160 mains qu'ils ont aussitôt jetées dans le fleuve. À la même époque, j'ai vu un villageois assassiné devant mes yeux. Le soldat indigène m'a dit « Ne vous laissez pas abattre. Ils nous tuent si on ne livre pas de caoutchouc. »
Le commissaire nous a promis que plus on ramènerait de main, plus notre service serait raccourci. Je leur en ai apporté tellement que mon service devrait bientôt se terminer. Les soldats noirs de Léopold ont l'ordre de couper la main droite des cadavres. Ils reçoivent chacun un nombre déterminé de cartouches avant chaque expédition. Afin de prouver aux officiers blancs qu'ils n'en ont pas gaspillé, ils doivent rapporter une main coupée pour chaque cartouche utilisée. Dans chaque unité, des soldats sont désignés pour fumer les mains afin de mieux les conserver. Ces dernières sont ensuite apportées aux officiers pour qu'ils constatent que les cartouches ont bien servi à tuer. Le 14 décembre 1895, Monsieur Cheblom, Madame Banks et moi-même avons aperçu un garde avec un panier rempli de mains fumées. Nous avons demandé au garde de nous montrer combien il en avait. Il les a sortis du panier et les a alignés sur le sol. Il y avait là 18 mains droites d'hommes, de femmes et d'enfants. Le garde a voulu battre la femme qui portait le panier pour lui, car il prétendait qu'il y avait 19 mains et qu'elle en avait égaré une. Se peut-il que le roi des Belges ne soit pas au courant des pratiques barbares de ses serviteurs ? Une lettre confidentielle transmise par un officier de la cour au chef de l'exécutif de l'État indépendant du Congo révèle que Léopold est profondément irrité de se voir critiqué pour les cruautés perpétrées au Congo. Mais le roi poursuit en écrivant « Je sais que des atrocités se commettent au Congo. Il est inutile d'essayer de nier. » On a tout lieu de penser qu'il était au courant. Peut-être pas de tous les détails, mais il savait que le système mis en place pour exploiter le caoutchouc avait d'horribles conséquences. Alors Léopold considérait-il cela comme horrible? Sans doute pas. Il devait se dire que c'était le prix à payer pour le développement économique. Il ne s'en souciait guère. Ce qui comptait pour lui, c'était les bénéfices qu'il en tirait. Les hommes blancs sont arrivés avec les soldats afin de nous faire la guerre. J'ai fui avec mon petit garçon sur les épaules. Une balle a sifflé à mes oreilles. Elle ne m'a pas touché, mais je suis tombé par terre. Je me suis relevé et j'ai laissé l'enfant afin de courir plus vite. Lorsque je suis revenu, il était dans les bras de mon frère. On lui avait coupé une main et un pied. J'ai pris soin de lui. Le caoutchouc du Congo est livré dans le port d'Anvers. Selon la légende, la ville tire son nom d'un géant dont la main droite fut coupée et jetée dans l'Escaut par un soldat romain. À Anvers, on fait rarement le rapprochement entre le symbole de la ville et les mains coupées au Congo. Comme si les crimes dans ce pays étaient oubliés, ou pire, n'avaient jamais existé. Thank you.
bilan humain, rien ne l'exprime mieux que un adage des gens de l'Équateur. Beto febole iwo, le caoutchouc est la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est deux fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. Un grand nombre d'atrocités sont commises dans la province de l'Équateur. Léopold II a divisé le Congo en districts. Chacun est sous l'autorité d'un commissaire, le plus souvent recruté et payé par l'armée belge. L'Équateur est sous l'autorité d'un officiel considéré comme un des personnages les plus infâmes de l'État indépendant du Congo. Léon Fievé excelle à user de violence pour augmenter l'exportation du caoutchouc. Il récoltait d'énormes quantités de caoutchouc, au rythme d'une tonne par jour, dit-on. Des rapports sur le Congo affirment qu'il a fait mutiler plus de 1000 indigènes. On rapporte aussi qu'il se vantait de ses actes de cruauté. Les conséquences de cette violence sont toujours visibles aujourd'hui, car des milliers d'indigènes ont fui le district et n'y sont jamais revenus. En 1896, le baron Théophile Waïs, gouverneur général du Congo, fait une visite officielle dans le district de l'Équateur et le qualifie de pays des horreurs. Léon Fievé ne ressent pas le moindre remords de son impitoyable violence. Il sait pertinemment que la seule raison d'être de l'État indépendant du Congo est de rapporter de l'argent avec le commerce du caoutchouc. Pour Léopold II, Fievé est l'employé parfait. Il est dévoué, efficace et ingénieux. Je réunis les chefs des villages voisins et leur ordonne de me rapporter un certain nombre de chikwang, du poisson, etc. Au jour convenu, pas de chikwang. Devant cette mauvaise volonté manifeste, je leur fais la guerre. Un exemple suffit, sans tête tranchée, et depuis lors les vivres abondent dans la station. Mon but est en somme humanitaire. Je supprime 100 existences, mais cela permet à 500 autres de vivre. Le seul souci de Léopold est de maintenir le rythme de production du caoutchouc. Mais pour que les Congolais travaillent dur, il faut que les agents du roi travaillent dur aussi. Un courrier confidentiel parvient au gouverneur général. Léopold transmet sa cupidité à ses agents. L'État décide de leur verser une gratification pour stimuler leur zèle. Tous les agents du commissaire de district au 100 grades touchaient des primes. Plus il y avait de caoutchouc, plus la prime augmentait. Et comme ces agents voyaient qu'ils pouvaient tuer, incendier, voler et commettre des actes sadiques en toute impunité, tous les moyens étaient permis. Le système mis en place est le socle même de toutes les horreurs, j'en suis convaincu. La vie des indigènes n'a aucune valeur aux yeux des Belges. Pas étonnant que les autorités soient détestées. Elles parlent de philanthropie et de civilisation. Où donc ? L'État n'a pas supprimé l'esclavage, il a uniquement instauré un monopole en expulsant la concurrence arabe. Ce n'est pas un procédé raisonnable pour coloniser le pays, c'est de la pure persécution. Si les Arabes avaient été les maîtres, on les accuserait de trafic inique de chair humaine.
Mais sous l'administration de l'État indépendant du Congo, il s'agit simplement d'une étape vers l'émancipation des indigènes. Charles Stokes, un marchand britannique travaillant pour les Allemands, est à l'origine du premier problème politique sérieux du roi. Léopold protège jalousement son commerce exclusif au Congo en totale contradiction avec les accords signés par les puissances européennes à Berlin. Le roi donne l'ordre de défendre sans concession le monopole. Stokes est arrêté pour commerce illégal dans l'État indépendant du Congo et condamné à mort par Hubert Lothaire, un officier tristement célèbre. Les habitants de la rivière Lulanga le surnomment l'Ofembe. Il y a 4 ans, il est arrivé avec une troupe de soldats noirs et a installé son camp. Il a envoyé chercher le missionnaire afin qu'il use de son influence pour faire revenir les indigènes. Croyant avoir affaire à un officier d'honneur, le missionnaire a persuadé les indigènes de venir à la station. Dès qu'ils sont arrivés, Lothaire et ses hommes ont ouvert le feu sur eux. La pendaison du marchand européen est une erreur politique. Jusque-là, les victimes dans l'État indépendant du Congo étaient toutes africaines. L'indignation en Grande-Bretagne et en Allemagne est immense. Le roi est contraint de verser un dédommagement aux deux pays. Désormais, les puissances européennes surveillent particulièrement Léopold. Leur seul désir est d'extraire un trésor des entrailles de la terre, avec des intentions aussi peu morales que celles de cambrioleurs fracturant un coffre. Léopold se voit contraint d'ouvrir le Congo au commerce international, comme convenu avec les puissances européennes à Berlin. Sa parade est néanmoins déjà prête. Il ouvre de nouvelles concessions pour l'exploitation du caoutchouc. Il proclame que le Congo s'ouvre à la concurrence. Mais il impose ses hommes au conseil d'administration des nouvelles entreprises et exige 50% des bénéfices. Une concession à Bazankusu est cédée à la société Abir, Anglo-Belgian Indian Rubber Company. Ici, le caoutchouc est séché avant d'être envoyé par bateau à Anvers. Les compagnies concessionnaires se montrent ingénieuses pour maximiser les profits. Les nouvelles sociétés de Léopold prennent en otage les épouses des récolteurs de caoutchouc. Pour qu'elles soient libérées, ils doivent fournir les quotas fixés. Les autorités et le roi en personne sont parfaitement au courant du système des otages mis en place par les sociétés concessionnaires. Sur un document à l'entête de la société concessionnaire, on note le nom des otages, leur provenance, le temps de leur détention et leur état de santé. La procédure est institutionnalisée. Les agents des sociétés reçoivent une licence officielle les autorisant à prendre les femmes en otage comme bon leur semble. Les femmes prises à la dernière palabre d'Enquetra me donnent du fil à retordre. Tous les soldats voudraient en avoir une. Les sentinelles chargées de la surveillance des chaînes libèrent les plus jolies et les violent. Un missionnaire demande à un chef de village combien de femmes ont été prises en otage. Il lui répond : comptez les grains de sable, homme blanc. Dès qu'il le dit.
Le moment de vérité dans l'état indépendant du Congo de Léopold II a lieu tous les 15 jours, lors de la remise du caoutchouc. 3 kilos. L'État parle de récolte et de commerce du caoutchouc. Mais la réalité est tout autre. Pour les récolteurs, c'est le jour où ils revoient leur épouse ou bien reçoivent un châtiment à l'issue parfois mortelle quand ils n'ont pas atteint les quotas fixés. Pour les agents, c'est le jour du calcul de leur commission. Et pour le roi, c'est la confirmation que ces nouvelles sociétés concessionnaires sont efficaces et lui rapporte encore plus de richesses. En 6 ans, les profits nets s'élèvent à 720 000 livres pour un capital souscrit de 9 300 livres environ. Et l'action achetée 4 livres rapporte 335 livres. Mais le roi a un appétit d'ogre, insatiable. Il veut toujours plus. En fait, si le roi devient riche, la Belgique aussi devient riche. Donc ce que Léopold II transmet à la Belgique, ce n'est pas seulement le Congo, c'est aussi le système des compagnies concessionnaires, avec toute leur force de corruption et aussi avec tous les abus qui leur sont associés. La mainmise de Léopold II sur le commerce du caoutchouc dure 10 ans, jusqu'à ce que les plantations d'Asie et d'Amérique du Sud se posent en sérieuse concurrente. Tous les bénéfices ont été rapatriés en Belgique. Seules des spéculations permettent de supputer la part que représente ce pactole dans le patrimoine de la famille royale belge aujourd'hui. Léopold a dit un jour à propos du Congo, « Ce que je fais là-bas est un devoir chrétien envers les pauvres Africains. Je ne souhaite pas récupérer le moindre franc de tout l'argent que j'ai dépensé. » Au début du XXe siècle, le roi voit pour la première fois son régime en Afrique sérieusement remis en cause par une revue londonienne. En 1900, paraît dans The Speaker une série d'articles qui constituent un événement. L'auteur, visiblement très bien informé, avance des faits, des certitudes, pas des insinuations. Le coup est très bien joué parce que les articles sont anonymes. Ce qui suscite une curiosité générale. Qui est l'auteur? Que veut-il? L'auteur de ces articles, c'est Edmund Dean Morrell. Edmund Dean Morrell est un de ces héros oubliés par la grande histoire. De simple expéditionnaire, il devient le plus farouche adversaire de Léopold II. Son arbre généalogique n'est certes pas aussi prestigieux que celui du roi, mais Morrell surpasse ce dernier par ses qualités morales. Il travaille pour une compagnie de navigation de Liverpool qui transporte le caoutchouc de Léopold. Devenu journaliste, il s'impose comme le spécialiste des affaires ouest et centrafricaines. Comme il travaillait dans le commerce avec l'Afrique de l'Ouest, il était au courant de toutes les nouvelles de cette région. C'est ainsi qu'il est devenu spécialiste des questions d'Afrique centrale et de l'Ouest. Une fois devenu chef expéditionnaire du commerce avec le Congo, il faisait la navette entre Anvers et Liverpool, car Anvers accueillait la plus grande partie du caoutchouc congolais. Dans les docks anversois, Morrell découvre peu à peu la vérité sur le Congo de Léopold. Comme il l'écrit, il a l'impression d'être tombé sur une société secrète d'assassins. Morrell est un expert du commerce colonial. Il est le premier à travailler sur les documents officiels de l'État indépendant du Congo et à faire parler ses propres statistiques. Avec lui, la protestation morale contre Léopold II cède la place à l'analyse du système et une analyse implacable. Puisque l'argent n'entre pas au Congo comme investissement ou comme salaire, une seule chose peut expliquer les quantités de caoutchouc et d'ivoire qui augmentent. Cette chose, le cœur du système léopoldien, c'est le travail forcé. Morrell démissionne de la société de navigation et part s'installer à Awarden, au pays de Galles, d'où il lance une campagne personnelle contre le roi. En 6 mois, il envoie 15 000 brochures et 3 700 lettres. Au bout d'un an, Morrell édite son propre journal, West African Mail.
À présent, il peut diffuser son message à un public encore plus nombreux. Dans ses bureaux de Liverpool, Morel réunit tous les récits qu'il parvient à récolter sur le Congo. Il tente même d'obtenir la collaboration des missionnaires. Mais dès la première vague de critiques à l'encontre de Léopold, les missionnaires s'enferment dans le silence. Ils détenaient les preuves, ils connaissaient les détails, les récits qui pouvaient marquer l'imagination populaire. Ils auraient permis de faire décoller la campagne. Mais égoïstement, leur congrégation voulait étouffer cela afin de ne pas offenser Léopold. Ils redoutaient, en critiquant le roi, d'être expulsés du Congo, ce qui les aurait empêchés d'atteindre leur objectif premier, qui était de convertir un maximum de Noirs. Ils avaient une vision mécaniste de leur mission. Une âme convertie annonçait la suivante, si vous voulez. Et si ces âmes converties étaient mutilées ou assassinées, eh bien tant pis, au moins mouraient-elles en chrétienne. Alors, qu'importe. Morel persuade néanmoins quelques missionnaires d'écrire des articles pour son journal West African Mail. Charles Banks, du district de l'Équateur, est un des premiers à accepter. Selon un rapport, des soldats de l'État ont pris d'assaut le village de Bandakawajiko, car le caoutchouc fourni n'était pas d'excellente qualité. Dans une case gisait un de mes anciens élèves, un garçon très prometteur. J'ai soulevé les feuilles qui le couvraient et j'ai vu qu'on lui avait coupé la main droite. J'ai sillonné le village. Les habitants enterraient leurs morts. J'ai compté plus de 20 cadavres et nouvelles tombes. La main droite de tous les corps avait été coupée. Morel recherche l'efficacité. Pour réussir, il a besoin de tout le monde, de toutes les forces morales, spirituelles, matérielles. Alors, peu importe ses propres convictions religieuses, il a besoin des missionnaires, il les gagne à sa cause. Peu importe ses idées sociales, il a besoin des hommes d'affaires, il les rallie à lui. En réunissant tout ce monde autour de lui, il se révèle un très habile tacticien politique. Morel peut compter sur un nouvel allié à 11 000 km de chez lui. Un flot de dépêches parvient au ministère des Affaires étrangères à Londres. Le gouvernement britannique a envoyé un consul dans l'État indépendant du Congo. Le consul est profondément outré. Le capitaine Van Kerkhoven m'a raconté qu'il gratifiait ses soldats indigènes de 5 barrettes de laiton pour chaque tête coupée au cours des opérations militaires. Le consul Roger Casman a 20 ans d'expérience en Afrique noire. Roger Casman est un personnage très romantique. Il a un petit côté Laurence d'Arabie. C'est quelqu'un qui était en avance d'une génération, voire de deux sur son époque pour ce qui est de l'attitude envers les Africains. Il disait qu'il aimait les Africains, il appréciait leur compagnie, il voulait être leur ami. Et les Africains l'aimaient aussi. Il traitait les Africains avec une gentillesse et une considération tout à fait inhabituelle pour l'époque. En 1903, Roger Casman passe 2 mois dans le Haut-Congo. La campagne de Morel a contraint le gouvernement britannique à lancer une enquête officielle. Roger Casman questionne les Africains et enregistre leurs témoignages. Mondele Azalaki Koloba Nabasoda Baye Bozali Kobomaka Kabasi Kasi mibali te. Bolakisa te, bozali koboma pe mibali. Tango bazalaki kobete biso masasi, bazalaki kokata nzoto ya biso mibali. Po ya komemele mondele. Ungambo ya ye Azalaki Koloba, ya solo pour bomi mibali.
Comme Morel avant lui, Roger Casement se rend compte que les missionnaires constituent les témoins clés. Il entend les persuader de dénoncer publiquement tout ce qu'ils savent. Il se rend dans le village d'Ikoko, sur le lac Tomba, où réside le missionnaire Joseph Clark. Les Africains surnomment Joseph Clark PB. Il a vécu plus de 20 ans au Congo. Joseph Clark et son épouse fournissent les preuves des atrocités commises par l'État. Roger Casement séjourne 17 jours auprès du couple. Aujourd'hui, les habitants d'Ikoko utilisent toujours l'école et l'église que Joseph Clark leur a construite il y a 100 ans. Coco Clark a été la civilisation à Cambodge bien. On peut tirer sur la civilisée. Sur la rive du lac Tumba, Casement enregistre l'histoire d'un garçon qui a eu les deux mains coupées par des soldats sous le regard indifférent d'un officier blanc surnommé Ikanta Koy, patte de léopard. L'homme blanc dénommé Ikanta Koy se tenait non loin et voyait ce que les soldats faisaient. Cet Ikanta Koy buvait du vin de palmier pendant que les soldats arrachaient les mains du garçon à coups de crosse contre un arbre. Le garçon s'appelle Mola. Morel publie sa photo dans le West African Mail. Roger Casement est tellement horrifié par tout ce qu'il a vu et entendu que le jour de son départ pour l'Angleterre, il adresse une lettre au vitriol, au gouverneur général. Pleinement conscient qu'on ne le laissera plus revenir. Dès la création de l'État indépendant du Congo, une succession de livres abreuve les lecteurs avec les horreurs qui y sont perpétrées. Bien que certains, à l'instar de Stanley, tentent de maquiller les faits, le roi doit faire face à une vague de critiques toujours plus importante. Une guerre des mots commence. Léopold fait publier des ouvrages et soudoie des journalistes. Il crée des bureaux de propagande à Bruxelles, Francfort et aux États-Unis afin de défendre son régime en Afrique. Il publie une revue mensuelle diffusée dans toute l'Europe. Morel contre-attaque. Il détient un nouveau secret. West African Mail publie un rapport sur une région du Congo jusqu'alors tenue secrète. Soudainement,
Au plus fort des accusations contre l'État indépendant du Congo, on apprend l'existence, de l'autre côté du lac Tumba, à 100 km d'ici, du domaine de la couronne. Ce domaine, propriété privée à l'intérieur de la propriété personnelle du roi, a été créé en 1896, mais son existence a été tenue secrète jusqu'en 1902. Le domaine de la couronne, 10 fois la surface de la Belgique, est interdit d'accès. Un missionnaire réussit toutefois à y pénétrer. Morel obtient le journal du missionnaire et publie les atrocités commises par Charles Massard, un officier belge que les Africains surnomment Malou Malou. Cet homme blanc, Malou Malou, j'ai honte de la couleur de ma peau chaque fois que je songe à lui, se tenait à la porte afin de prendre livraison du caoutchouc récolté par ces pauvres miséreux tremblants de peur. Quand l'un d'eux apportait moins que le quota fixé, l'homme blanc se mettait en rage, arrachait le fusil d'un des gardes et abattait l'homme sur place. Ceux qui avaient tenté de fuir la région et qui avaient été repris étaient ramenés à la station, alignés l'un derrière l'autre et abattus tous ensemble d'une seule cartouche. Quel dommage de gaspiller une cartouche pour de tels scélérats. Certains récits ne sont pas publiables. La plupart des choses que j'ai entendues sembleraient inimaginables à un tribunal. Mais les témoins sont bien trop nombreux et les histoires trop concordantes pour que tous ces récits aient été inventés. Le baron Jules Jacques deviendra un héros belge de la Première Guerre mondiale. Pour l'heure, c'est un des rares hommes auxquels Léopold II fait confiance pour gérer le domaine de la couronne. Son comportement est parfaitement illustré par une note gardée au ministère belge des Affaires étrangères et toujours frappée aujourd'hui du sceau ultra secret. Monsieur le chef de poste, décidément ces gens d'Inongo constituent une bien vilaine engeance. Ils sont venus couper les lianes à caoutchouc à Ibali. Nous devrons taper sur eux jusqu'à soumission absolue ou extinction complète. Prévenez-les que s'ils coupent encore une liane, je les exterminerai tous, jusqu'au dernier. Les profits que Léopold dégage à titre personnel du domaine de la couronne équivalent à 231 millions d'euros. Alors que la campagne contre Léopold prend de l'ampleur, Morel décide d'augmenter la pression. Liverpool devient le quartier général de l'Association pour la réforme du Congo. Lorsqu'en 1904, Morel fonde l'Association pour la réforme du Congo, il vient de lancer le premier mouvement humanitaire du XXe siècle, dont il va faire d'ailleurs une formidable machine pour soulever l'opinion. C'est lui qui, à partir de Liverpool, va l'étendre sur toute la Grande-Bretagne. C'est grâce à ses efforts que le mouvement va déborder sur le continent européen. C'est encore lui qui va l'implanter aux États-Unis et en faire un mouvement transatlantique. Donc, grâce à Morel, l'Association pour la réforme du Congo devient une gigantesque coalition absolument irrésistible. L'Association pour la réforme du Congo fait découvrir les atrocités commises dans le Congo de Léopold en organisant des réunions publiques à travers la Grande-Bretagne. Un hymne est spécialement composé pour l'occasion. Britanniques, réveillez-vous! Qu'une juste rage s'allume dans vos cœurs. Que la flamme sacrée de l'indignation brûle pour l'injustice et la honte qui règne au Congo. C'est un propagandiste de génie. C'est lui qui a porté l'affaire sur la scène internationale. Il a eu la brillante idée en 1906 de publier son livre Red Rubber, caoutchouc rouge, avec sur la couverture une image inspirée de l'ancienne Égypte, une balance sur laquelle était pesée l'âme de ceux qui passaient dans l'au-delà. Sur un des plateaux, on voit Léopold sur son trône avec tous les apparats de la royauté et sur l'autre, une simple main noire, une main coupée. La symbolique de cette image est très puissante.
violente. Résumer une telle situation à travers une seule image est une excellente façon de focaliser l'attention du public. Pour moi, il est l'un des initiateurs du journalisme d'investigation, des groupes de pression politique et de l'humanitaire au XXe siècle. Morel attend avec impatience la publication du rapport de Roger Casement. Sa parution le conforte dans son action. Le rapport fait plus de 50 pages. Le ministre britannique des Affaires étrangères le qualifie de preuve la plus affligeante qui soit. Le rapport porte un coup fatal à Léopold. Ce haut fonctionnaire britannique ne se contente pas d'établir la preuve des atrocités. Il montre que ces atrocités font partie d'un système qui, par sa durée dans le temps, son étendue dans l'espace et sa répétition, est très certainement le pire des systèmes coloniaux que l'Afrique ait connu. Le rapport Casement déstabilise tant le roi qu'il commet une lourde erreur. En 1904, il envoie sa propre commission internationale au Congo pour mener une enquête. Il pense tenir les délégués sous son contrôle. Il se trompe. Il n'a pas prévu la détermination d'un homme, John Harris, un missionnaire de Baringa. John Harris et son épouse ont ouvert une mission en plein cœur de la zone des concessions. Ils sont quotidiennement témoins des exactions commises contre les Congolais. Harris décide de mener sa propre guerre contre l'État. À son Excellence, le vice-gouverneur général. Je reviens d'un voyage à Nsongo Mboyo, un village de l'intérieur du pays. La misère la plus abjecte et l'extrême abandon sont tout simplement indescriptibles. Il y a quelques mois, M. Pilate y est allé avec des gardes. Une jeune femme du nom d'Imenega fut attachée à la fourche d'un arbre et coupée en deux avec une machette, depuis l'épaule gauche, à travers la poitrine et l'abdomen, jusqu'à la hanche droite. Les gardes ont massacré cette femme pour punir son mari. Une autre femme, Bolumba, voulant rester fidèle à son mari, se vit planter un pieu dans le ventre par le vagin. Comme elle vivait encore, elle fut achevée d'une balle. J'ai appris que dans de nombreux villages, les gardes s'amusent en forçant les villageois à avoir des rapports incestueux. Votre Excellence, je fus si ému en apprenant ces histoires que j'ai pris la liberté de leur promettre au nom de l'État indépendant du Congo qu'à l'avenir, vous ne les ferez exécuter que pour des crimes. Baringa est un coin perdu sur Terre. Les Harris ont construit un hôpital. Il tient toujours debout. Aujourd'hui, comme à l'époque, les missionnaires sont confrontés à la guerre, à la terreur et aux privations, ainsi qu'aux ravages provoqués par la maladie du sommeil. Le Congo des Harris s'est fait déchirer pour son caoutchouc. Le Congo d'aujourd'hui est dévasté pour ses diamants, son or et les autres minéraux dont regorge son sous-sol. Les conséquences pour la population congolaise sont les mêmes. Des générations de souffrance, des générations de persécution. Il y a 100 ans, deux bateaux vapeurs viennent à Baringa avec des juges, des huissiers, des officiels gouvernementaux, des soldats. La commission internationale de Léopold arrive sur place. Les juges de la commission ont été soigneusement sélectionnés par le roi afin de s'assurer une issue favorable. Mais John Harris a convaincu un grand nombre de Congolais de témoigner.
Au fur et à mesure que les juges découvrent la teneur de leur déposition, le plan de Léopold s'effondre. Les villageois confirment les accusations portées par Casement et Morel. Autre coup dur pour le roi, Harris s'est arrangé pour que les témoignages soient publiés par Morel. En arrivant à Bolima, Issekifasu, le chef du village, gisait dans sa case. Il avait été tué par le garde Issekitoki. Les gardes avaient tué deux épouses d'Issekifasu, ainsi qu'un bébé qui avait été coupé en deux. Une des femmes avait les boyaux qui sortaient du ventre. Ils avaient entouré les cases avec les entrailles d'un enfant et planté des parties de son corps sur des pieux. De retour à la base de Baringa, les gardes furent houspillés par les Blancs, car ils n'avaient pas tué assez de villageois et qu'ils n'avaient fait aucun prisonnier. Pendant 3 mois, la commission de Léopold récolte des témoignages pour son rapport. Un incident va les marquer par sa symbolique. Lontoulou, chef d'un village des environs de Baringa, se présente à l'improviste. Il apporte 110 rameaux. Chacun représente un villageois tué par l'État. Il dépose les rameaux un à un devant les juges en citant un nom pour chacun d'eux. Wade, chef Yembe, Kumu Yang, Kumu Mai, Kumu Binzo, Mwana Kwang. L'État indépendant du Congo ne pardonnera pas à Lontoulou. Quelques semaines plus tard, il est torturé à mort. Après le départ de la commission, le gouverneur général se suicide en se tranchant la gorge avec une lame de rasoir. Dès que John Harris débarque en Angleterre, le journaliste Stead lui demande si Léopold devrait être condamné à la pendaison par la nouvelle Cour internationale de justice de La Haye. Harris répond : tout tribunal international ayant les pouvoirs d'une cour d'assises enverrait sans hésiter les responsables à la potence sur la seule foi des témoignages récoltés par la commission. L'idée qu'un des grands colonisateurs européens, un colonisateur des plus impitoyables et des plus répugnants, soit envoyé devant une cour internationale est très séduisante. La riposte à l'époque, qui correspond tout à fait à l'esprit de ce nouvel impérialisme brutal, répressif, agressif et violent, c'est une critique des plus malsaines envers le développement d'un mouvement radical international. Des hommes comme Stead et Morel ont impulsé un mouvement dont la Société des Nations et les Nations Unies seront les héritières. Il est donc séduisant de se figurer Léopold en premier accusé d'un tel tribunal, mais c'était inimaginable à l'époque. Le rapport de la commission Léopold donne raison à Casement et à Morel. Sa publication provoque une vive réaction en Belgique. Léopold tente de rendre les choses aussi anodines que possible, mais en vain. Pour la première fois, des intellectuels et des responsables religieux belges s'élèvent ouvertement contre le roi.
la possibilité d'une annexion est bien réelle. La Belgique pourrait reprendre le contrôle du Congo. Morel observe avec jubilation le règne de Léopold au Congo, touché peu à peu à sa fin. Red Rubber, Caoutchouc Rouge, est publié en 1906. Morel sait que le roi est isolé. L'annexion du Congo par la Belgique est inévitable. Mais Morel ne relâche pas la pression. Il veut un transfert de pouvoir immédiat. Nous exigeons que cela cesse. Pas dans 15 ans, pas dans 5 ans, pas dans un an, sur le champ. Tel un aveu de culpabilité, Léopold ordonne la destruction de tous les documents compromettants sur la gestion de l'État indépendant du Congo. C'est tout de même bizarre, cet homme qui, dit-il, n'a rien à cacher et qui détruit toutes les traces de son action. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qu'il voulait absolument arracher et à tout jamais à des regards indiscrets? Une chose est sûre, pour les historiens, c'est une catastrophe. Mais pour ses défenseurs, c'est du pain béni que cette destruction volontaire. Ils auront toujours beau jeu, et ils ont beau jeu de répondre aux critiques de Léopold II, apportez les preuves de ce que vous dites, les preuves que Léopold II a détruites. Jusqu'à la fin de sa vie, le roi prétendra que le Congo lui appartient, mais plus personne ne l'écoute. En 1908, le Congo devient une colonie belge. Le gouvernement belge verse 50 millions de francs au roi en signe de gratitude. Léopold décède l'année suivante. Il a demandé un enterrement intime, mais cette requête n'est pas honorée. Au cours des funérailles, le cortège funèbre est hué par la foule. À la fin de son règne, Léopold était un des hommes les plus détestés d'Europe. Serait-ce un début de justice? Les statues de Léopold II symbolisent en vérité la dénégation de tout un peuple. Alors qu'il a été enterré dans la disgrâce, on le présente de manière éhontée comme un civilisateur et un bienfaiteur. C'est remarquable qu'après sa mort, une nouvelle image de Léopold II émerge, et avec elle, une histoire entièrement remodelée. Dans cette nouvelle histoire, qui est patriotique, se trouvent mélangées trois choses. Le roi Léopold II, devenu l'objet d'un véritable culte national. La Belgique en tant que nation, soudée derrière son roi. Et le Congo, devenu enfin une colonie de la Belgique. Dès que le Congo devient belge, les nouvelles autorités prêchent la bonne parole du colonialisme. La Belgique apporte la civilisation, transforme ce pays sauvage en paradis. Cette litanie est répétée en boucle à un public convaincu. La Belgique pouvait-elle profiter d'une façon honnête d'une colonie qui avait été exploitée de façon malhonnête? La réponse était non. Et la Belgique a donc décidé de démarrer avec une colonie neuve et belle sur des bases morales saines. Le nouveau Congo belge est financièrement intéressant. Son sol regorge de diamants, d'or et de toutes sortes de minéraux que la Belgique s'empresse d'exploiter. Avant de céder le Congo à la Belgique, Léopold avait déjà mis sur pied une immense industrie minière. Comment la Belgique peut-elle profiter de cette infrastructure sans se sentir coupable? En se donnant bonne conscience. Comme les Belges investissent au Congo pour la bonne cause, ils estiment pouvoir profiter sans aucune honte de ces richesses. Les Africains sont civilisés et la Belgique s'enrichit. Léopold avait donc toujours eu raison. Le Congo colonial, économiquement prospère,
avec ses Noirs heureux et reconnaissants envers la Belgique, c'est une légende inventée de toutes pièces. Car on a mis au point une stratégie consistant à rendre propre l'argent du Congo, à assimiler les intérêts de la Belgique et ceux du Congo, et surtout à nier le passé, à l'occulter et à le faire oublier. C'était exactement ce que Léopold II avait voulu. Cette stratégie a réussi, a très bien réussi, pendant la colonisation et même après la colonisation. Car il a fallu quelques 100 ans pour que, enfin, remontent à la surface tous les secrets peu reluisants sur la colonisation au Congo. Dans les années qui suivent la création de l'Association pour la réforme du Congo, Casement et Morel sont eux aussi victimes de l'amnésie qui entoure le Congo de Léopold II. Devenu nationaliste irlandais, Casement est exécuté par les Britanniques pour un prétendu complot avec les Allemands durant la Première Guerre mondiale. Les visions pacifistes de Morel le rendent très impopulaire. Lui aussi est accusé de sympathie pro-allemande. Morel et Casement ont tous deux été associés aux Allemands durant la Première Guerre mondiale. Ils étaient considérés comme des personnages suspects. C'est pour cette raison que les résultats héroïques obtenus par l'Association pour la réforme du Congo sont tombés dans l'oubli. L'autre raison de cet oubli, c'est que le peuple congolais n'a pas la puissance de mobilisation sur la scène internationale, contrairement aux Juifs ou aux Noirs américains, pour démontrer qu'ils ont été victimes d'un des plus grands holocaustes de l'histoire de l'humanité. L'histoire sanglante du Congo s'est poursuivie. Depuis 1998, 4 millions de Congolais ont péri au cours des guerres civiles et des conflits à répétition. Avant 1998, ils ont souffert sous la cruelle dictature imposée par l'Occident. Avant ça, il y a eu la traite par les Arabes, suivie de la période coloniale. Les Nations Unies publient régulièrement des rapports sur l'exploitation abusive de ce pays. Un autre hommage a été rendu à Léopold II à Bruxelles, il y a quelques années à peine. Léopold II en aurait été très fier. Jusqu'à preuve du contraire, les documents de son règne sur l'État indépendant du Congo ne contiennent pas la moindre reconnaissance de culpabilité, pas l'ombre d'un remords. Mais qui peut dire les idées qui traversaient son esprit en 1909, alors qu'il agonisait ? Je vis sur ce visage d'ivoire l'expression d'une fierté sinistre, d'une violence impitoyable, d'une terreur lâche, ainsi qu'un désespoir aussi intense qu'effroyable. Revivait-il sa vie dans ses moindres détails de désir, de tentation? A-t-il capitulé durant ce moment suprême de lucidité totale? Il cria dans un souffle à quelque image, à quelque vision. Il cria deux fois, un cri pas plus fort qu'un soupir. L'horreur. L'horreur. La semaine prochaine, nous nous attarderons sur une page de l'histoire, et même sur un paragraphe et un seul. Le paragraphe 175 du Code pénal nazi. C'est cet article qui a ouvert la voie à la déportation des homosexuels, appelés les déviants. Les documentaristes ont recueilli les témoignages de rares rescapés. À la semaine prochaine. Le net est déjà sur le sujet.